Allô les potos, comment va? Je suis Yvonne 342. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur FaceRig, un logiciel que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est beaucoup trop long comme intro. Allô les potos, comment va? C'est Powerline et aujourd'hui on se retrouve sur FaceRig. C'est un logiciel que j'avais téléchargé à une époque où j'utilisais énormément Skype. C'est-à-dire il y a 3 ans. Et ça, c'est un logiciel en fait qui permet de retranscrire notre visage avec un avatar. On dirait qu'elle boude, c'est rigolo. Non, elle fait pas tous les mouvements. Et donc, on a plusieurs avatars. Et on va en tester quelques-uns tout de suite. Oui, bonjour, je suis aide-soignante à l'hôpital, le CHU de Montpellier. Et je suis également patiente parce que j'ai la bouche qui part un peu en couille. Ouais, on peut en parler, ouais. Non, mais c'est trop bien fait, sérieux. C'est le moindre petit changement de position. Regardez. Elle ouvre pas complètement l'œil. Par contre, elle. On dirait qu'elle fait un AVC. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression qu'on ne voit que dalle dans ce truc. J'ai mis le fauteuil un peu trop loin de l'interrupteur. Excusez-moi les poteaux. Pour sortir, c'est pas vraiment pratique. Ça me donne une idée, tiens. Bonjour, je suis Alfred Plaza. Retrouvez-moi très bientôt dans Appartement à visiter, et nous visiterons l'appartement de Powerline 342 qu'il utilise pour tourner ses vidéos lorsqu'il n'est pas en week-end chez ses parents dans le Gard. Oh, le sourire, il est énorme. Par contre, le seul problème qu'il y a avec cette application, c'est que de une, ça développe ta schizophrénie. Ta-da-ta, ta-da-ta. Et de deux, il faut avoir les yeux ouverts, comme ça, pour que le personnage daigne ouvrir les yeux. Sinon, voilà, il a les yeux fermés. Oh, on peut être un chien. Oh, j'ai trouvé le moyen infaillible de faire des millions de vues sur YouTube. Oui, bonsoir, c'est moi Natsu. Vous me connaissez dans les vidéos de Squeezie parce qu'il m'a adopté alors que j'étais tranquillement posé chez moi au Japon. Sérieux, j'avais tous mes collègues là-bas, j'avais une vie, j'avais une femme. Et Squeezie, il arrive et il m'emmène dans une maison avec des chats. Des putains de chats. Non mais vous imaginez un peu. Ah bah voilà, du coup je me suis retrouvé un peu chiant. Donc du coup en plus comme son gros chat Jumbo et a fait la loi, eh ben j'ai été obligé de devenir le tout petit chien tout mignon. Comme ça Squeezie m'a tout le temps avec lui. Et au moins je suis tranquille et je revois pas ce fruit du démon. Ah le sourire il est énorme. Oh putain, on dirait qu'on vient de lui raconter une blague trop drôle, tu sais. Alors c'est un schtroumpf, il court et puis il tombe et il se fait un bleu. T'es trop rigolo, Powerline. Oh, le clin d'œil, il est beau, il est beau. Bon, allez, Natsu retourne avec Squeezie. Moi, je vais être... Oh, hello, les potos, c'est Smog. Et je suis là pour vous empêcher de prendre ma montagne. Un nain ? Ou de l'or, je ne sais pas. Mais je sens quelque chose. Mais non, On dirait Bumblebee mais qui aurait copulé avec Iron Man, qui aurait copulé avec un zombie de The Walking Dead. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Toujours avoir un petit thé pendant ces vidéos. C'est propre de tout bon YouTuber. Ah, c'est putain de chaud. Alors oui, il est vrai, Optimus Prime, il est parti un petit peu en couille dans le dernier Transformers, mais ouais, voilà, je veux dire... maintenant, vu que j'ai un petit peu vieilli, voilà, je termine pas mon histoire, je suis un thug. Je suis un putain de raptor. Je suis un putain de raptor. Oh, mais c'est énorme. Non, mais sans déconner, les potos, on est d'accord que c'est trop bien fait. Je regrette de plus faire de conférences webcam juste pour pas... Juste pour... Parce que... Le mec, il arrive même plus à finir ses phrases. Non, mais sans déconner, c'est n'importe quoi.
C'est à moi que tu parles? Vois-tu quelqu'un d'autre derrière cet écran? Non. Eh ben voilà. Ça tombe bien, j'ai un petit creux. Attention, imitation du cri du raptor. Avec les yeux fermés, on dirait qu'il chante. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et de te dire que je me Ah, le raptor qui sourit, c'est énorme. Il vient de tirer un coup, ça fait du bien. Oh non, non, Blue. Ben voilà les potos, je propose que ce soit là-dessus que cette petite vidéo se termine. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur Face Rig. Du coup, je suis super content de vouloir la faire. Et on aura peut-être une deuxième parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'avatars qui sont disponibles. En attendant, je vous propose d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Je vous propose de la partager et d'envoyer un maximum de likes et de taguer Squeezie dans les commentaires pour qu'il voit ce que Natsu pense réellement de lui. Du putaclic? Non, je ne crois pas que ce soit du putaclic. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était PowerLine342 qui vous dit à bientôt.